Bonjour mes petits soeurs, j'espère que vous allez bien. Je viens ouvrir une nouvelle vidéo qui est un book haul du mois de novembre. J'y crois encore trop craqué. Le mois de décembre, je ne craquerai pas. C'est parce que c'est la fête et que j'ai les livres de Noël qui sont là. Je les ai tout ce qu'il me faut. J'ai pas besoin d'autres livres pour le moment. Et que je ramasse vite mon casque qui est tombé. Mon casque qui est tombé, du coup je le ramasse. Et puis j'ai tous les cadeaux de Noël à prendre. Et j'ai deux anniversaires en même temps. Du coup voilà, je n'achèterai rien pour moi mais plutôt pour les amis et la famille. Du coup voilà, c'est parti. Je vous ferai peut-être, je ne sais pas... peut-être l'idée de cadeaux de ce que moi j'ai pris pour la famille et les amis, je vous montrerai ça et je vous mettrai peut-être plus tard du coup en janvier pour voilà. Moi ma famille c'est pas grand chose, on fait des chocolats voilà parce que maintenant ils sont tous c'est des personnes plus âgées voilà, à part mon papa qui lit aussi, que je pourrais lui prendre un livre, mais à part ça voilà quoi. J'ai personne d'autre. Ma tantine, ben, je vais lui prendre des chocolats. Et ma mamie aussi. Mon tonton aussi. Et voilà, on n'en parle plus. Il n'y aura que vraiment les amis que je vais acheter des cadeaux. Voilà. Il y aura Sophie, la petite, qui a... Il y a Saint-Nicolas, anniversaire et la fin d'année. Il y a sa maman et son papa. Son frère. Sa maman a son anniversaire aussi. Du coup, voilà. Mon chat a trouvé quelque chose, je ne sais pas quoi, mais il va le choper. Du coup, voilà, j'ai plein de choses encore, mais on n'est pas là pour parler de ça. On va parler du book haul de novembre. Du coup, je me suis procuré, bien sûr, obligatoirement, Où c'est la vraie vie, Twistletale de Lish Brachwon, disons... la collection, enfin, chez Hachette au Rose, et c'est Disney, c'est un gros bébé, je sais pas si vous voyez, mais c'est un gros bébé, il fait, ah non, je pensais plus quoi, 443 pages, et c'est ceux avec la collection, voilà, je me dis que j'allais essayer de commencer cette série, parce que je les ai tous, mais je les ai pas encore commencé, du coup, voilà, après, j'ai pris... Là, je suis là. Celui-ci, qui n'est pas encore lu non plus. Bon, enfin, tout ce que je vais vous montrer, il n'y a aucun qui a lu. Un qui est entamé, parce que je suis occupée, c'est ma lecture du moment. Bay, Kay Bay, je ne sais pas comment ça se dit, chez Hugo, dans la collection New Roman. Et c'est d'Alex, Alexa, Gaia, je crois que c'est comme ça se prononce. Je ne sais pas de quoi ça parle. J'aime bien la façon, vous ne voyez peut-être pas, la façon que les feuilles sont texturées. Ouais, on voit un peu. Des lignes, c'est pas lisse comme certains. Ici, c'est vraiment un peu. Voilà, je ne sais pas, j'aime bien le côté abeille. Voilà. J'ai trop envie de me mettre dedans. Mais on va commencer après par tout ce qui est. Qu'on arrive. Je fais ça le 25 novembre. Après, c'est Noël à plein nez. Du coup, après, je me suis pris Goldwall Love de chez Hugo de Rourini Dial. Celui-ci, enfin, je vous montre. La couverture est trop magnifique. C'est une de... pas de mes prochaines lectures, mais une qui ne tiendra pas parce que j'ai trop envie de le lire. J'entends que du bien de cette lecture. Du coup, je me dis que il va pas traîner à me le faire. Pourquoi celui-là, il est là? Hop, voilà. Après, il y a celui-ci, La gourmandise n'est pas un vilain défaut, de Al A. L. Morgan, de la romance d'hiver de chez, mon casque il veut bouger, MX Bookmark, c'est la collection hiver de Bookmark. Celui-ci ne va pas faire long feu, il est plus petit, un peu plus gros, 200 et des pages, mais il va partir... à la dégustation ce mois de novembre.
Voilà. Après, je me suis pris celui-ci, qui est au bord de la tombe chasseuse de la nuit, le tome 1 de Janine Froult, je ne sais jamais. J'entends beaucoup parler, il y a quand même pas mal de séries. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, si je comprends bien. 11, c'est de chez Emily D. et c'est de la BitLit. Voilà, je me tente bien, la chasseuse de la nuit. Je sais plus comment. Nina Queen arrête pas d'en parler. Du coup, il me tente beaucoup à le lire. Par contre, c'est pas normal que les feuilles là. Ah, vous voyez pas. Ça, c'est bien blanc. Je sais pas, vous allez voir la différence. Fort jaune. Il a resté un moment celui-là. Et je l'ai acheté il y a pas longtemps. Enfin, voilà. Enfin, soit. Après, celui-ci qui est arrivé la semaine passée, que je vous ai pas montré l'autre fois. Le chat qui rendait heureux un homme, chez Soleil Manga, Zakuria, il va pas faire long feu. Il y avait aussi un petit truc comme ceci, trop mignon, qui était avec, c'est du bois, enfin du carton, et qui a merci à tous mes lecteurs. Il est trop beau et j'aime beaucoup. On va parler de chat. Voilà, c'est tout ce que je sais. Et j'ai pas encore vraiment regardé. Les bouts du chat, elle a l'air pas mal. Mais le visage de l'homme, j'aime un peu moins. Mais on va faire avec. Voilà. Après, celle-ci aussi, je me suis dit qu'il fallait que je me lance. C'est Luxe, le tome 1 de Obsidian. Jennifer L. Amandrout, voilà, c'est comme ça que ça se dit. Tout le monde en parle et je me dis pourquoi pas tester. Je sais plus, c'est en 2 ou en 3 tomes. Voilà. Du coup, voilà. Après, celui que je voulais absolument vous me prendre, que je lirai pas tout de suite, je pense. Peut-être qu'en mois de janvier, celui-ci me tendrait bien en mois de janvier. C'est À Noël de Clochette, c'est pour ça que je l'avais pris. Parce que c'est mon nom de la chaîne et que j'aime beaucoup ce petit chat. J'aime beaucoup les chats. De Christian MC Ganagol. Je sais pas comment ça se dit. Hauteville. Je connaissais pas cette maison édition. Mais pourquoi pas. Et il n'y a rien de particulier dans ce livre. C'est écrit assez gros du coup. Voilà. Pourquoi pas, il me tente beaucoup. Après, bon, je vais continuer cette pile-là. Je me suis pris, c'est un tout petit roman. C'est la même que je vous ai montré il y a 2 minutes. Un nouveau voisin pour Noël de Séverine Balavoine. La collègue, enfin, c'est la maison d'édition, c'est. Ou c'est la collection, peut-être. C'est la collection romans d'hiver chez Bookmark, mais essentiel. Voilà. C'est le même que celui que je vous ai montré. C'est le même. Voilà, c'est la même collection. Voilà. Bon, celui-là, vous ne l'avez pas, mais bon, voilà. C'est la même collection. Du coup, je me suis pris les deux. J'en ai un troisième que je vais lire aussi. Oh, il faudrait que je fasse mes oreilles. J'ai chatouille. Quand j'ai chatouillé mes oreilles, c'est que je dois les faire. Après, c'est la chagrin d'amour fond de belle musique chez Hugo Roman dans la collection Nous Roman. C'est de Tamara Baliana. Voilà. J'aime beaucoup la couverture. Je le vois passer partout aussi. Et du coup, je me suis procuré. J'aime beaucoup. On voit le petit scooter. Voilà. Il va pas faire long feu aussi, je pense que mois de février, je pense. Je vais essayer de me l'encaser. Après, je vais faire ces deux-ci. Je me suis pris, on va faire le premier là. Je me suis pris le premier Nick et Charlie, nouvelle université de Astopper d'Alice Haussmann. C'est les petites nouvelles, je pense, si je me dis pas de bêtises. Qui sont bien sûr, si je veux montrer un peu
avec des petits dessins dedans. Vous voyez, un peu des trucs plus spéciaux. Hop, je vais pas tout vous spoiler, mais enfin, c'est bien qu'ils sont pour ceux qui ne l'ont pas lu. Mais voilà, du coup, j'ai celui-ci qui est un point ou un truc comme ça. Je sais bien que c'est un, il y en a un 0 point et l'autre c'est un point. Enfin, soit je sais plus quel est quel. Et puis j'ai celui-là qui est cet hiver de Alice Mann, nouvelle université de. Stopper. Par contre, je sais pas la maison d'édition. Hachette Roman, tous les deux. Hachette Roman. Du coup, voilà, je me suis pris les deux petits. Voilà. Qui sont tous les deux illustrés. Voilà, il y a des petits dessins. Du coup, je me suis dit, enfin, des petites textos, que il allait passer vite et que j'ai beaucoup apprécié ce moment quand j'ai lu. Holly Osman, du coup je me dis pourquoi pas, ça me ferait un truc doudou et voilà quoi. Je sais que j'aime beaucoup la couverture, je sais pas pourquoi, l'aspect de la couverture, tout ça c'est en relief. C'est de Lily Malone de Colloque avec un inconnu de chez Addictive. Je sais jamais, il faut que je me trompe, faut que je coince, elle est trop belle la couverture. Du coup, si je compris, c'est l'outil qui est indépendante, libre et elle veut profiter de sa vie comme elle entend. Son dernier coup de tête, les vacances à la montagne avec son meilleur ami imprévu au chalet est déjà occupé par Luc, ouais c'est ça, Luc, c'est lui je suppose, Luc. Luc, c'est un électricien dès les premières secondes. Le programme des vacances, confortation sexuelle, les boules de neige et guerre de déclaration. Tous les coups sont permis et si c'était le désir qui sortait vaincu. Voilà. Est-ce qu'ils vont tomber amoureux? Bien sûr. Je suis toujours comme ça dans les romans. Après l'autre couverture que j'aime beaucoup aussi. Je commence à beaucoup apprécier les couvertures de Addictif. C'est aussi Addictif de Anna Vandel. Colloque, le maître du jeu. Voilà, mais trop belle aussi la couverture. On voit qui est le maître. Hein. J'aime beaucoup. C'est commence à beaucoup apprécier. Sauf que c'est un gros bébé quand même. Ah non. Il fait 400 pages. Quand je me regarde bien. 404 pages. Je pensais plus gros, quoi. Ouais, ils font toujours plus gros, eux. Hein. Je sais pas pourquoi. C'est leur façon de page, je crois. Je crois que chez eux, c'est du page un peu recyclé. Du coup, c'est un peu plus gros. J'aime beaucoup cette couverture et j'en sais pas plus. Impossible. Sans sexe. Orangé. Il a tout pour lui plaire, mais c'est son demi-frère. Elle va tomber amoureuse de son demi-frère. Ça va être le truc. Alors, il y a celui-ci aussi qui est fameux, qui me donne très envie. Je l'avais pris, j'avais dit je vais les lire direct et je ne l'ai pas lu. Il fait 504 pages. Lui aussi, il me fait plus gros. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais il me fait plus gros. Du coup, je vous lis pas le nom parce que je vais flinguer tout. Love, c'est tout ce que je sais. De Alissa Gadinel, de chez Hugo, dans la collection Nous Romans. C'est de roman, Hugo Roman, en fait. Voilà, et il est trop beau, cette couverture. Et ce rose, il est trop beau. Pourront-ils ensemble surmonter leur démon? Voilà, j'aime beaucoup. Après, je les ai pas lus, mais il me fallait le quatrième tome. J'ai le tome 1 et tome 2 maintenant. J'avais le tome 1 avant, mais j'ai craqué pour, vous allez voir, en dernier lieu. Du coup, je me suis acheté le quatrième tome, mais j'ai le 1, le 2. C'est le 4 que j'ai, je crois. Oh, c'est le 4. C'est le 3 qui me manque alors. Je ne sais plus. Je sais plus combien c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là qu'il faut.
Je sais pas, il veut pas me marquer un peu moins. Non, c'est 1. C'est pas celui que je voulais, mais je vais avoir la série, je pense. J'en veux la série! Oui, c'est pas grave, je veux la série. Du coup, j'ai le tome 4. Il me manque le tome 3. Et j'ai le 1,5 entre les deux, je crois. Voilà. Du coup, j'ai le tome 1. Il faudra que je regarde s'ils sont mis. Il faut que je le mette. Voilà. Enfin, soit. Vous allez voir après. Un palais de flammes et d'argent de Sarah J. Maas chez la matinière jeunesse. Il me le fallait absolument. Du coup, je ne sais pas plus tard si je vais garder cette collection. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une nouvelle collection qui vient de sortir. Ouais, j'ai celui-là, celui-là. En fait, j'ai le. Je vous montre. J'ai le 1, le 2, le 3, j'ai pas, il faudra me le procurer. Et le 3. Le tome 3 et demi et le 4. Du coup, il me manque juste le tome 3. Et je pourrais me le faire. Voilà. Du coup, cette série, je ne vous l'explique pas. C'est un palais d'épines et de roses. Je ne l'ai pas encore lu. Je sais. M'insultez pas dans les commentaires. Beaucoup en parlent. J'indique pourquoi pas essayer de me les faire. Voilà. C'est pour ça que je vous montrerai après. Celui-là, je voulais montrer. Je suis occupée à le lire, celui-là, en lecture commune. Je suis arrivée à ma partie du jour. On est. Du coup, voilà, je vous montre le Mal dans la peau de Mia Sheridan chez Hugo Roman dans la collection Nous Roman. Voilà. Je vous en dirai plus en point lecture, mais là, je suis à la page 169 au chapitre 18. Je vous ai pas trop parlé ici, mais c'est assez, comment dire, dur à lire. C'est un roman, c'est suspense, et voilà. On va parler de viol, on va parler de kidnapping, on va parler de mal dans la peau, la souffrance. Voilà, il y a plein de choses qu'il faut vraiment en parler de ce livre parce que il est très dur à lire. Je pensais pas. Maintenant, j'espère que ça va commencer à aller beaucoup mieux parce que voilà, je suis sûre. Je vais mettre là à côté de moi. Après, j'ai ces trois derniers que j'ai à vous montrer. Trois pépites de ma collection que je vous jure que je revendrai jamais. Ça, c'est sûr. Enfin, sauf si vraiment. J'arrête de lire, mais ça m'étonnerait fort. Mais ces trois pépites de ma collection, je hurle. Je suis. Du coup, je vous montre quand même le premier qui est arrivé il y a un moment que j'aurais voulu vous montrer avant tout le monde, mais je l'ai raté. C'est le sang et le sang de et le cendre de chez. Je ne sais plus quoi parler. Le sang et la cendre de Jennifer Allais. Jennifer L. Alamontrout de chez du Saxus, elle est trop belle cette édition. Du coup, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est comme ça que je vous dois vous montrer. Elle est trop magnifique et c'est un truc toc. Du coup, je vous montre le hardback, il est trop beau. Il est comme ceci. Hop, c'est jusqu'à cela. Et voilà, j'avais déjà. Péter le truc. Oui, ces éditions sont un peu plus chères, mais ça vaut le coup quand même quand vous voulez avoir des pépites dans votre maison d'édition, dans votre maison d'édition, j'allais dire, dans votre collection et dans votre bibliothèque. Voilà. Élu le meilleur roman 2020. Du coup, celui-ci, il me fait un peu peur, je l'avoue. Le seul truc qui me fait chier, c'est qu'il y a des pages abîmées. Ouais, mais enfin, soit. Il n'y a pas un. Il fait 663 pages. Un peu plus, il y a encore 3 pages après. L'air maximum, ouais. Il fait 600. Voilà. Mais il est trop beau. Trop
trop beau. Après, on a craqué, ils sont arrivés hier, du coup ils sont encore un peu chauds et je suis trop contente. J'ai ma mèche là qui m'embête, trop contente de les avoir. Vous avez vu un palais d'argent, de plâtre, je sais pas. Du coup, je me suis acheté le palais d'épines et de roses en toc toc. Du coup, c'est de Sarah Jimas, toujours chez Martinère Jeunesse, ils sont trop beaux. Bon, il n'y a rien de particulier à part que la couverture est en dur. Voilà, vous voyez les couvertures derrière. Et dedans, c'est juste rouge. Oh, j'aime bien le bruit que ça fait. Et voilà, c'est écrit comme les os, je suppose. Voilà. Il n'y a rien de spécial. Et bien sûr, je me suis pris le tome 2, un palais de colère et de brune de Sarah Jimas chez la. Ah, ils l'ont pas mis à la même place? De la matinée jeunesse. Du coup, il faudra que je me prof le tome 3 pour essayer de les lire. Du coup, voilà, je vous montre les 3. Voilà. Et j'ai le 3.5. J'ai celui-là pour le moment. Il faudrait quand même que je les lise. Ce serait beaucoup, beaucoup mieux. Voilà pour ceux que je vous ai montrés. Mais celui-là aussi, c'est une pépite. J'ai envie de le lire. Mais. Ce ne sera pas pour le moment parce que je vais lire les trucs de Noël que vous allez avoir aussi bientôt sur la chaîne. Je ne sais pas si vous avez celui-là avant ou la palle de. On va pas l'appeler la palle parce que je ne sais pas si vous l'aurez vu, mais on va la marquer la pioche pâle. On va mettre entre guillemets pâle. Pioche pâle de décembre parce que j'ai un peu trop exagéré je pense, mais c'est pas grave, on aime bien, au moins on aura beaucoup de livres à piocher dedans et c'est ça qui est chouette. Voilà, sur ce moi je n'ai plus rien à vous dire. Dites-moi en commentaire quel livre que je dois commencer en premier début janvier. Je sais, un palais d'épines et de roses, ça, je suis sûre que celle-là, elle va me tomber dessus pour ceux qui lisent, c'est de la fantaisie. Parce que celle-là, c'est de la fantaisie pure et dure, avec un soupçon de romance, mais voilà. Du coup, voilà, sur ce, je vais vous laisser et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!